A'oudou billah minash-shaytan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, liker la vidéo, souscrire à la chaîne et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel avec 2 euros minimum par mois. Minimum. Que vous pouvez suspendre, arrêter à tout moment. La tenue scolaire unique, la tenue citoyenne ou la tenue de morale de façade. Le trousseau vestimentaire prévu par le gouvernement, polo, pull et pantalon, sera mixte et se veut sobre, d'un coût de 200 euros par élève. Calculez le nombre d'élèves en France et imaginez la somme monumentale qu'il va y avoir. Surtout qu'il sera pris en charge intégralement par l'État, en fait par vous et moi. Le projet d'expérimentation de l'uniforme à l'école proposé par le gouvernement, la tenue unique dans une centaine d'établissements scolaires dès 2024. Des écoles maternelles, des écoles primaires, des collèges, lycées, avant une éventuelle généralisation, si cela paraît convaincant. J'en suis pas convaincu. Il y a 60 ans, je vous mettrai la photo, la tenue à l'école était de mise sans être trop obligatoire. Voici une photo hein, de moi en cette période, à l'école maternelle, à l'école primaire, chez les bonnes sœurs, comme on dit. Et à l'école publique de la République qui n'était pas obligatoire. En fait, cette tenue de circonstance était un pied de nez aux idéologistes de toute obédience religieuse, surtout avec ces épisodes des tenues musulmanes, dites musulmanes ou islamiques, le voile, abaya, le vêtement incontournable. Pour les pures jeunes filles décentes, comme le disent les Ikhwan muslimines. Avec leur certaine idée de l'islam ou de l'islamisation en France. Ce qui n'est pas pareil, car pour eux, ces hommes, vertueux, l'islam, c'est dès le plus jeune âge, le plus tôt possible, de 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour les jeunes filles, qu'il faut instituer chez elles ces tenues. Hein, un voile, et couvert d'eau en bas. Ce qui, surtout, c'est que dans de nombreux pays dits musulmans, de Dar al-Islam, ce n'est pas le goût de toutes ces jeunes filles, de toutes ces jeunes femmes, parce qu'il y a les jeunes filles et les jeunes femmes, ce qui n'est pas pareil, ou ces jeunes mères, ce qui n'est encore pas pareil, et autres, qui veulent se libérer de ce carcan des frères, les Ikhwan muslimines. Certains des époux, des oncles et des patriarches. Je vous montre une photo de ma mère, une française, une blanc-blanche, catholique chrétienne, avec ce morceau de tissu sur la tête, elle, la chrétienne catholique, pour vous dire que le voile n'était pas simplement chez les musulmans, elle était aussi chez les autres religions, les juifs, les chrétiens et autres. On le voit encore beaucoup chez les orthodoxes des pays de l'Est. C'était dans les années 1960. Sans rentrer dans le débat religieux, voir mon article sur le site de la mosquée de Thouars sur le sujet, je vous mettrai le lien. C'est quoi un hijab, un niqab, un sitar, une burqa, une chadri, un tchador, un charchaf, une jalabéina, un khimar, un litam, une abaya? Où j'ai essayé d'être le plus juste dans le texte divin de l'écrit, dans la législation du droit musulman sur le port de celui-ci chez une jeune fille avant et après la puberté. Ce qui n'est pas pareil, il y a aussi l'âge de raison. Donc je vous conseille de voir ce lien et vous aurez des explications peut-être pour certains qui ne savent pas ou d'autres qui ne veulent pas comprendre non plus, pour qui ça n'a aucun intérêt. Malheureusement, même si c'est explicitement informé par les grands savants. Ce qui m'intéresserait, moi, dans cette vidéo, ce partage de vidéo,
c'est d'avoir l'avis de vous, les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles, les jeunes mères ou les mères de famille ou pas, et de vous, les hommes, jeunes ou pas, sur le sujet avec une cohérence et non avec un sectarisme arrogant. Au vu de ce port, de ce tissu sur la tête ou sur le corps, dans le monde musulman, Dar el-Islam, toutes les femmes le portent, et même beaucoup, toutes les femmes ne le portent pas, et qui n'ont pas toujours envie de le porter, voire pas du tout, ou plus envie de le porter, cette tenue dite musulmane, pour diverses raisons. Ayant été dans de très nombreux pays dits musulmans, je n'ai pas toujours vu cette hostilité violente à l'égard de jeunes filles ou de très jeunes femmes récalcitrantes, comme dans certains pays, en Iran, en Afghanistan, etc. Alors que vous voyez dans le pays voisin, le Pakistan, le texte du 28 octobre 2015, le Conseil d'idéologie islamique, le CII, a rendu un avis inhabituel selon lequel la loi islamique, al-Sharia, n'oblige pas les femmes à porter le voile. Et l'Arabie de Salman, du prince Salman des Saouds, hein, soi-disant, passant, celui-ci a mis beaucoup d'eau dans son lait sur le sujet. Où la situation des femmes a changé, pas seulement les lois, mais les mentalités, aussi mixité dans les lieux publics, autorisation d'étudier, de conduire, de voyager et de travailler sans validation d'un tuteur. Les Saoudiennes ont gagné de nombreuses libertés, même si des résistances demeurent dans la société très conservatrice. Le pays voisin, l'Iran, pour certaines de ces femmes, ont subi des conséquences graves pour certaines de leur vie. En Occident, chez les pays des impurs, les fondamentalistes deviennent ces nouveaux inquisiteurs, des Torquemada dans certaines, ou pour eux, c'est chasse gardée pour eux dans certains quartiers, certaines cités de nos villes. Mais n'oublions pas, la résistance est là contre eux aussi. Comme on dit, faut mieux nettoyer devant sa porte avant d'aller chez le voisin. Hein? On voit quand dans Dar el-Islam, les femmes non pas se révoltent, mais veulent retrouver cette liberté de l'islam, de s'habiller d'une tenue convenable, naturellement. Malgré qu'il y en a souvent là-bas, c'est pas toujours très convenable. Ça n'empêche pas les hommes dans ces pays de laisser faire, de voir, dire voilà, elles sont comme ça, point là. Peut-être pour la beauté des yeux de regarder. Allahu alam. C'est pour ça que je dis nettoyer devant sa porte là-bas avant d'aller chez le voisin ici pour certains qui sont venus et depuis peu ou depuis quelques années et veulent imposer leur diktat et leur loi. À ce sujet, je vous mettrai un livre. Pour moi, pour ma part, je préfère un islam du savoir universel contre l'ignorance qu'un islam dictatorial où la parole et le savoir est fermé à tous, voire à coups de bâton. Comme on le voit en Afghanistan, beaucoup de vidéos en sont l'épreuve où on voit des gens frapper des femmes dans une salle, hein, parce que une petite mèche de cheveux ou pour le plaisir de frapper. Pour être impartial et neutre dans le sujet, je vous suggère ces livres. Ce livre important, excusez-moi, épaisse très lourd et comme j'ai mal au bras gauche, s'appelle Encyclopédie de la femme et de l'islam, le volume 2. Alors ça, c'est le volume 2, si je me souviens bien, le volume 2, puisqu'il existe, excusez-moi, le volume 1, qui ne nous intéresse pas pour le sujet. Voilà. Encyclopédie de la femme et de l'islam, volume 2, tome 4, aux éditions El Kalam 2007, où vous avez un sujet important sur les femmes, l'habillement, etc. Il y a aussi, vous avez, là, faut pas que je me trompe, Sair, ah oui, Sair el-Muslim, que vous pourrez avoir sur le sujet,
le volume 8, hein, chez Dakaï, année 2011. Sahari Muslim, le volume 8. Vous avez des informations qui vous sont importantes là-dessus. Vous avez, c'est pour ça que je vous donne, pour être impartial, hein, Sahih al-Bukhari, à l'édition El-Maktaba el-Achéria, et c'est le volume 7. Volume 7, année 2011 aussi. Vous avez ce livre, Firq as-Sunna, hein, pour les Firq as-Sunna par Saïd Sabik, tome 3, Maison d'En-Nour, année 2015. C'est à partir de la page 387, sur l'habillement. Dessus. Vous avez, peut-être vous n'avez pas assez regardé le livre pour voir, laisser plus de temps de regarder, très important. On va faire une pause. Fatwa concernant les femmes, concernant Fatwa concernant les femmes, édition El Hadi en 2011. Hein, il dit, ce livre est une compilation de fatwa à vie juridique émise par les plus grands savants de notre époque. Et pourtant, sur le sujet aussi important que varié, le dogme, la prière, la purification légale, le jeûne, les relations conjugales, le mariage, le divorce et de nombreux autres. Hein, d'après Inbaz, El Albani, Ibn Temin et de nombreux autres savants. Pour vous dire, je suis assez impartial. Vous avez ce livre Firq as-Sunna pour les femmes de Saïd Sabik, toujours pareil, hein. C'est volumineux. Hein, édition En-Nour 2014. Vous avez aussi un livre, l'avant-dernier, que je vous présente, qui est très intéressant. Voyage dans l'Empire colonial français. Alors pourquoi je vous sors ça? Parce que j'ai vu, en lisant ce livre très intéressant que je vous conseille, où on voit à l'époque nos arrière-grand-mères. Pour certaines, ou vos grand-mères, pour d'autres, comment elles étaient habillées. Et encore une autre page. Voilà. C'est pas du tout la baïa de maintenant. Et pour continuer, pour ceux qui vont être surpris, voilà. Et ce sont des femmes musulmanes. En fait, ce sont des femmes musulmanes peules, hein, appelées aussi les Fulani, les Fulbé ou les Falboudé, les Palars et les Felata, des peuples traditionnels pasteurs, c'est-à-dire des bergers, hein, établis dans toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà de la bande du Sahélo-saharien, soit au total une quinzaine de pays. La religion est l'islam sunnite. Les musulmanes, islam sunnite. Et que ça ne plaise aux Ikhwan al-Muslimin. Ce livre très intéressant que je vous conseille aux Ikhwan al-Muslimin, Les garanties de protection des non-musulmans dans le droit islamique, par le docteur Hussan Sbat chez Dakaï, qui peut être. Vous allez me dire, oui, mais c'est dans les pays musulmans, comment doivent être respectés les non-musulmans? Eh bien, il peut s'appliquer dans un pays non-musulman où vivent une grande communauté de musulmans, puisque vous devez respecter ces populations dans le Dar el-Islam, il se doit que vous devez aussi le respecter. Pareil, quand vous allez dans un pays non-musulman et vous faites la même chose. Donc, je vous conseille de le lire, il est très intéressant. Il n'est pas très gros, donc voilà, très intéressant. Il n'est pas donné pour le volume qu'il y a, surtout que les textes sont assez gros. Ça prendrait moins si c'est écrit en écriture normale, prendrait moins de pages. Hein, il ferait 50 pages au lieu de 108. Donc je vous invite à lire ces livres sans jugement, sans préconçu. Hein, c'est important d'aborder les sujets, donc j'attends vos remarques qui sont très importantes et vos expériences aussi, de savoir comment vous avez vécu l'obligation ou la non-obligation ou l'invitation par la notion d'amour et de crainte en Dieu de
porter une abaya, porter un foulard, et que ce ne soit pas imposé, naturellement. Donc voilà, c'était là-dessus. Par contre, il y a une chose que je ne vais pas aborder, que vous ne m'aurez jamais abordé sur mes vidéos, c'est le sport foot argent, hein, avec toutes ces coupes du monde à travers la planète, comme celle en ce moment dans la Côte d'Ivoire, qui paralyse les cerveaux de beaucoup de musulmans actuellement, et tellement ils sont abordés dans ce genre de compétition internationale par cet événement. Même nous avons ces blogueurs, blogueuses qui se sont prêtés à ce jeu, sans parler, pour cet événement, pour leur audimat rentable et gloire sur le web. Personnellement, je préfère rester sobre et laisser Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, décider de mon sort sur la notoriété ou pas de cette chaîne qui n'est, et non de ma notoriété personnelle. Donc je ne lui demande à chaque fois, avec crainte et amour, de permettre aux curieux, aux envieux du savoir, curieux du savoir, de me soutenir, de m'aider en divers points, dans le but qu'il n'ait que le projet de culturelle musulmane universelle et rien d'autre, surtout pas ma gloire personnelle et qui sera éphémère, naturellement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. On se reverra, Inch'Allah, à une prochaine vidéo. Et si vous avez des propositions, ne l'oubliez pas. Il y a une personne, dans une dernière vidéo, présenter des livres sur l'art musulman, me demandait s'il existait des livres pour enfants sur l'art musulman. Donc j'en ai trouvé quelques-unes. Et si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo et vous allez dans Afficher plus et vous aurez ces renseignements pour les enfants. Car n'oublions pas, nous devons aussi instruire notre jeunesse, ne non pas la détruire, comme ça se fait malheureusement. Hein, je compte sur vous là-dessus et regardez cette vidéo, ou si vous ne voulez pas la regarder, allez directement sur Afficher plus et vous aurez des informations pour acheter des livres pour vos enfants. Alors dépêchez-vous parce que certains sur Amazon, qui coûtent moins cher que les librairies musulmanes, soit dit en passant, il n'y en a plus beaucoup. Sinon, vous serez obligé de passer par les librairies musulmanes. Si vous en avez une à côté de chez vous, ça va, mais autrement, les frais de transport, c'est bonbon. Hein. Alors ils lâchent pas. Hein. Il y en a, c'est 3 euros, 5 euros, mais eux, c'est 7, 9 euros. Hein. Ça monte vite. Donc, je compte sur vous pour passer au maximum mes vidéos, non pas pour que je fasse de l'audimat personnel, mais pour que la culture musulmane universelle se propage dans l'esprit des gens. Pourquoi vaincre l'ignorance et la haine? Parce que l'ignorance engendre la haine. Et la connaissance engendre la paix et la reconnaissance de l'autre. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.